Coucou tout le monde. C'est Ma et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur le... Merde, il est pas en français mon jeu. Merde, merde, merde. Sur la tourmente, je ne connais pas le nom en français mais en anglais c'est Moment of Fate. Et donc voilà, je vais tout simplement utiliser la nouvelle version de ma team poney volant, ma fameuse team poney volant. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai donc ma Inoka, ma Corinne, Swimsuit, ma Cherché et mon Elincia. Cette team est magnifique. Cette team est absolument magnifique. Si vous pouvez faire la même chose, faites-le. Faites-le, ça vaut le coup. Ça vaut tellement le coup. Elle est tellement bonne, cette team. Et limite, j'ai tellement craché sur cette Inoka qui a moins attaque, plus résistance. Mais dans la tourmente, c'est tellement bien d'avoir plus résistance. Je vous jure, ça me sauve parfois le fait d'avoir plus résistance. Donc c'est juste génial quoi, enfin, je crois pas qu'il y a de mauvaises IV particulièrement pour ce set d'Inoka. En arène, elle kill de toute façon tous les Hectors, donc on s'en fout. Elle kill même tous les Hectors avec Fury, donc voilà, enfin, du moment qu'elle utilise son spécial, enfin, non? Oui? Non? Je sais pas, après ça dépend aussi de combien de boosts elle a. Enfin bref, donc on a cette Inoka pour ceux qui ne l'auraient toujours pas vu, donc avec la Heavy Spear. Position Iceberg, contre-distant, Quick Repose 3, Own Flyers et Hardy Bearing. Désolé, c'est pas en français, mais bon, vous voyez à peu près ce que ça fait. Et donc voilà, S en support avec moi, donc l'invocateur. Je déteste le mot invocation, le mot invocateur. Invoque, tout ce qui est invoque, je déteste. Et puis aussi, avec Corinne, la poney volante, enfin, elle est aussi sur un poney volant. Enfin, elle, c'est un dragon volant, même si, bon, les dragons, en général, ça vole. Et du coup, voilà, Fury d'espération. Fury, c'est génial. Pourquoi Fury, c'est génial? Parce que ça baisse ses PV. donc, voilà, non, mais vraiment, franchement... Life and Death pouvait marcher aussi, mais je me suis dit, vu tous les boosts que j'ai avec les poneys volants, Fury c'est suffisant, et en plus ça lui donne du bulk, et en plus ça permet de justement lui baisser ses PV un peu de toute seule. Chose qui n'est pas le cas pour Elincia, on va directement passer à Elincia. Alors Elincia, j'ai vraiment mis longtemps avant de décider qu'est-ce que j'allais lui mettre, comme vous pouvez le voir, j'ai mis Flyer Formation, j'ai mis Desperation, j'ai mis Hit and Run, je savais vraiment pas quoi mettre. Et au final, j'ai décidé de juste mettre le classique. Hein. Regardez, j'ai même mis Moonbo. Moonbo, je l'avais mis... Ah oui, Moonbo, je l'avais appris justement en même temps que Goat Flyers. Comme je sacrifiais quand même une pala, je me disais... Voilà, autant faire ça. Autant donner genre Spur Attack ou Spur... bah oui, Spur Attack 1 et Spur Attack 2 potentiellement. Avec un autre perso. Et après, genre faire ça. Enfin, ça a marché. Et... Ouais, parce que Palace, c'est Spur Vitesse, hein. Spur Speed. Donc voilà, tout simplement, j'ai un peu galéré avec elle. J'ai même appris Arden Sacrifice, d'ailleurs. J'avais totalement oublié ça. Ah mais non, celle-là de base, qu'est-ce que je suis con. Et puis aussi ma Cherché, que j'ai commencé un peu à fusionner. Malheureusement, j'ai pu la mettre qu'en plus 3, vu que c'est tout ce que j'avais. Et du coup, voilà, j'ai sacrifié une... Eh mais non, mais je vous l'avais déjà montré, elle, de toute façon. Ah oui, mais vous n'aviez pas encore vu le Renewal 3, ainsi que le Reciprocal 8. Avant, elle avait reposition. Maintenant, j'ai fait en sorte que ce soit elle, ma healeuse. Je n'ai pas eu de fée. J'ai mis une Jacob en 5 étoiles, oulala là là. Et du coup, ouais, tout ça pour Renewal 3. Certains me diront, bah t'es con, et certains me diront, ouais, non, t'es pas con. J'avais 60 000 plumes, après j'en ai encore utilisé 40 000. Vous allez peut-être voir prochainement pourquoi j'en ai utilisé 40 000. Enfin bref, je parle. Voici les persos bonus pour cette tempête. Tourmente, excusez-moi. Donc il y a Ike, il y a Elincia, il y a Nefne, il y a Oscar. Il y a en 20%, il y a Mist, il y a Soren, il y a Titania et Black Knight. Alors juste pour vous dire,
dans les 40% avec Elincia, j'en ai deux. Donc dans les trois autres, il y en a un autre que je vais montrer. Et dans ceux d'en dessous, j'en ai deux pour l'instant, dont Black Knight, que j'ai déjà récupéré une fois en 4 étoiles, qui est là. Et puis encore une autre, parce que ce sont que des filles. Non, Soren. Désolé. Oh, c'est pas de ma faute, hein. Bref, il y a Titania, Soren et Myst. J'en ai une des... un des trois, excusez-moi. J'ai de nouveau dit une. Je sais pas si je montrerai ou pas, parce que... pas level up. Mais... mais voilà, tout simplement. C'est parti! Arrêtons de parler et allons-y. Ok. M'a passé casse-couille pour commencer, ça fait plaisir. On va les mettre Corinne là. On va les mettre l'initiale là. Et je crois que c'est suffisant. Ouais, parfait. Son niveau 40. Nino niveau 40, elle a que 33 de vitesse. La mienne, elle a 39 sans furie. Elle est moins speed. Genre, cette Nino là ou bien... je sais pas. Enfin bref, là on a notre Inoka qui a été boosté par def résistance et def machin là. Enfin, par truc. Merde. Par Fortify Flyers. Ah oui, d'ailleurs, il faut le squader. Se rechercher. C'est l'une des seules sur lesquelles le truc a vraiment de l'importance. Merde, j'en ai même pas un sur Elincia. Ça m'a pas trop dérangé pour l'instant. Et puis bon, j'ai Hardy Bearing ici, même si ça sert pas vraiment à grand chose dans cette chose ici, vu que les personnes n'ont pas souvent Vantage, ou bien on s'en fout des persos Vantage. Ou d'Espération, et là on s'en fout aussi, vu qu'on les clean to haut, ils nous outspeed même pas. Enfin bref, on va aller directement mettre notre Inokala, comme ça elle va se faire attaquer par cette petite pute de Nino. On va détruire ce petit obstacle, même si ça sert pas vraiment à grand chose, on va aller quand même le détruire, on va aller mettre chercher là, et on va aller mettre Elincia là. Voilà, 19 de dégâts, tu te fais choper, tu te fais killer. Yes. Ensuite, on va aller tuer Gwendoline. On va aller soigner. Yes. On va aller se mettre là. Et on va aller se mettre là. Pour finir, on va aller juste réposition. Et on va... 35 c'est juste pas bon. 35 c'est juste pas bon. Et ma cherchée aussi va être à 35 après ce combat. 35 c'est juste pas bon, elle doit avoir 33 de PV. En fait ici, comme c'est un perso boosté, elle a 10 de plus en PV et 4 de plus chaque stat. Du coup ça lui donne 58 d'attaque de base. Dites-vous ça. Attendez, là, comme ça, cette formation-là, ok. Attendez, juste deux secondes. Ils sont en S, ok. Own Flyers. Donc elle a 58 d'attaque. Plus le fait que ce soit un partenaire avec Elincia, plus 2. Donc ça fait déjà 60. Plus le 4 des God Flyers de Corinne, vu que ça se fait à 2 d'espace. 64. Plus Dead Blow. 70 d'attaque. 70 d'attaque. Vous voulez savoir ce qui est le meilleur? C'est avec Amity. Et Amity, ça attaque 2 fois de base. 70 d'attaque avec un truc qui attaque 2 fois. C'est absolument God tier. Ok. Ok. Bon. Par contre, on va pas utiliser cette formation là. Parce que sinon, on ne kill pas cette chose qui s'appelle Cecilia. Et de toute façon, on la kill pas avant de se prendre un coup. Shit! Mais la question est... do we care? The answer is no. Donc,
qu'on va faire. Je vais faire ceci. Oh, et puis fuck. Of course. Got it. Minerva. J'aurais pas le god flyers, enfin le fortify flyers, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Yes. Shall we? Off I go. Ça change rien en fait. Je vais de toute façon la killer avec avec Corinne. Cette map j'utilise beaucoup Corinne parce que justement c'est bien le fait qu'elle soit qu'elle puisse attaquer de loin. Elle peut gagner 14 de vitesse, donc ça lui fait 30. Ouais. Attendez, j'ai un cil dans l'œil. Voilà, c'est bon. En imaginant qu'elle est juste plus 8. Plus 10, excusez-moi. Ça lui fait 26. Ouais, elle se fait outspeed, quoi. Le problème, c'est que c'est pas possible, en fait. Ok, ouais, non, j'ai menti. C'est possible. On va donc aller mettre le Hone Flyer sur chercher ici. On va les repositionner celle-ci. On va les repositionner celle-ci. Et on va aller repositionner celle-ci. Ah, de toute façon, elle crève. Ah, tu crèves pas, toi, sale chien. Yes. Of course. Got it. Off I go. Minerva. Minerva. Get the fuck out of my sight! Parfait! Bah tiens, en parlant de Soren. 9 de défense! 9 de défense! Mais bon, pour sa défense, il a quand même. Ha! Pour sa défense, il a quand même 57 d'attaque et 42 speed, quoi. Et bon, ça passe bien avec Water Sweep, quoi. Je kifferais tellement avoir Wind Sweep, pas Water Sweep. Wind Sweep, c'est la version physique de Water Sweep. Donc en fait, si t'es plus rapide que ton adversaire, l'adversaire ne contre-attaque pas.
quand tu inities le combat. Et Windsweep, c'est la même chose, mais avec les épéistes, les lanciers et les machins. Comment que ça s'appelle? Comment que ça... Putain! Et les actes, les haches, et aussi accessoirement les dagues et les archers qui ont contre-rapproché, quoi. Donc les tacuputes et des trucs comme ça, quoi. Enfin, vous voyez le style, quoi. Ok, 57 d'attaque, c'est quand même énorme. Donc on va jouer la sécurité. On va aller soigner Inoka. On va aller la mettre là, on va mettre Corinne juste à côté, comme ça, ça lui donne encore 2 de défense en plus, au lieu de 1. Et voilà. Elle va mettre un peu de temps avant de pouvoir récupérer, mais... J'aime pas ça. Je n'aime point ça. Le pire, c'est que j'aime pas avoir ma chercher à 1 PV. Yes. Got it. Ah merde. Let's go. 41 de vitesse. Elle ne m'outspeed pas déjà, ça c'est quelque chose, mais... Faut savoir, 46, 50. Yes. Moins 29. J'aime vraiment pas ça, quoi. Let's go. Elle me fait 9. Ah mais non, je la kill là. Comment ça se fait que là je la kill? Avant je la killais pas quand même. Boîte. J'ai genre regardé il y a 2 secondes, non? Corinne était de toute façon à côté, non? What the fuck, je comprends plus rien. Ah bref, et comme j'ai pas envie de me choper les dégâts. Voilà, voilà. Voilà, toi tu récupères un peu des PV, c'est très très bien. C'est très très bien. Je suis très content de comment ça se termine. On va les tuer avec Elincia, comme ça on l'utilise un peu aussi. Je suis très content, je suis très 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 content. Ça ne pouvait pas mieux se passer en fait. Là, on va attendre un peu avant de re-soigner machin. La question est, toi tu ne me touches pas, donc je vais aller te kill. Je vais faire ceci. Off I go. Shall we? Comme ça. Voilà, il me fait pas beaucoup. Voilà. Voilà, j'allais dire comme ça, si elle bouge. Oh, boum, boum. Hop, au revoir. Fun. Et là, je vais me... J'aurais préféré avoir genre Inoka ici. Et là, Corinne. Pour dire de pouvoir donner le own à toutes les deux, mais de toute façon, le gars, il est assez fragile. Ouais, non, je peux pas genre dire de la positionner là pour après utiliser reposition depuis là. Ça va malheureusement être impossible. Ouais, non, donc je crois que ce sera juste comme ça, quoi. Ah, panique, Chloé, merde. Et je ne peux pas aller utiliser machin. Je ne peux juste pas, vu que je vais faire ceci. Always. Ou plutôt ceci. Comme ça, en fait, Elincia est à 31 de PV, ce qui est parfait pour être sous Desperation, en fait. Et puis, je vais faire ça. J'ai décidé de pas attaquer avec chercher, comme ça j'utilisais pas son spécial et je le gardais pour plus tard.
Donc voilà. Les PV sur ma Corinne en général, je m'en fous. C'est juste la dernière fois que je voulais vraiment. Je voulais vraiment résister à cette Athéna, mais au final ça servait à rien vu que. C'était Athéna que je vais résister? Je sais même plus. Ben ouais. Oh, je sais plus. En tout cas, voilà. Maintenant, elle est à 31 de PV, donc ça, c'est parfait. Elle est à 45 de PV, donc je vais pouvoir soigner Inoka. Pas à 100%, mais il n'y a pas non plus de Desperation ou de Vantage. Limite, dans, cette, sur, dans la tourmente, je devrais plutôt lui donner distance de défense. Enfin, bref, c'est pas grave. Le Georges là il me dérange énormément parce que du coup il peut atteindre cette zone ici où autrement j'aurais pu mettre Elincia sans trop de problèmes. Elle aurait eu 36 de défense qui est assez même pour Raven je crois pour dire de résister tout ça. Puis même ça n'aurait jamais été énorme quoi. Et je l'aurais outspeed en retour, accessoirement. De toute façon là ils vont bouger. Ils vont bouger, ça c'est une certitude. Shall we? Ce que je pourrais faire aussi, c'est aller direct, mettre directement ma Cordelia. Minerva. Le problème, c'est que même si je fais comme ça, j'aurais préféré en fait la réponse. Ouais, ok, non. Quite so. Ah, ça m'énerve! Finalement, j'ai envie de mettre machin ici. Chercher ici ou ici. Elincia, j'ai envie de la mettre là. Inoka, ici. Shall we? Of course. Got it. Fuck you. Il est dans la même... Pardon. Yes. Dégage. 92. Je répète, 92. Toi, tu me touches pas. Dégage. Oh, so hot. Minerva. Minerva. Yes. Bruh. Of course. Let's go. Shall we? Fun. Autant charger son spécial, hein. Honnêtement. Et elle fait quoi là? Ah oui, Savage Blue. Non, pas Savage Blue, c'était un cible, vu que ça n'a pas fait des dégâts aux. Oh là là, je suis fatigué. Enfin bref, dernière map, c'était assez facile là pour l'instant, donc je vais pas m'en plaindre. Toi, t'es là, ok, on va te mettre là, comme ça. Boum, boum, boum. On va les reposition, on va aller la mettre là, on va les reposition et on va aller la mettre là. GG, well played. Selena, mort. Get the fuck out of here, shit waifu. Yes.
D'un côté j'aime bien, mais d'un côté j'aime pas. Parce qu'on se fait kill par cette merde de Perry ensuite. Et c'est ça le problème. Et j'ai pas envie de retraiter comme un lâche. Parce que déjà de 1 c'est pas optimal. Si je peux le faire en fait. Oups. Du coup, il y a lui qui va venir m'attaquer, mais on s'en fout. Voilà, voilà. Ensuite, toi, je te kill pas, malheureusement. Et vu qu'ils ont baissé ma résistance, bah, je vais pas me mettre... Oh, bah, je peux me mettre là. On va aller mettre l'initial là. Putain, faites pas ça, utilisez pas les drawbacks, c'est des techniques de pute ça. Fun. Yes, of course. Minerva. Always. Ah ouais. Yes. Je répète 70 d'attaque. Je répète 70 d'attaque. Elle avait 70 d'attaque. Ah non, elle en avait, 68 là. Dans le cas, vu qu'il avait pas cherché à côté. Enfin bref. C'était une vidéo assez longue, vu que j'ai essayé de bien tout expliquer. Du coup, ça a pris du temps. Je sais pas si ça en a rebuté plusieurs. Le début a mis longtemps aussi. Enfin, le début a mis du temps à... Enfin, ça a mis du temps à commencer. Du coup, ça fait une vidéo assez longue. Du coup, ça ne fait pas assez putaclic. Ah là là. En plus, je me suis arrêté pendant 20 secondes pour retirer un cil que j'avais eu dans l'œil. Il était tout petit en plus, c'était absolument horrible. Au début, je le voyais pas, je me disais, ah ben j'ai fait une erreur ou bien il est déjà sorti quoi, tu vois. Finalement, il se cachait là, tout en dessous là. Enfin, comme d'hab, hein, comme avec tous les cils, mais là, il était vraiment... Je le voyais vraiment quasiment pas. Et du coup, voilà. Et comme j'oublierai certainement de l'enlever au montage, bah rip quoi. Mais en tout cas, voilà. C'était très fun. J'ai vraiment bien aimé. Et du coup, voilà. Je kiffe cette team. Je kiffe vraiment cette team. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Moi, ça me fera toujours plaisir de faire une des vidéos sur ce jeu. Donc voilà. Merci beaucoup. Ciao tout le monde.